y a des activités en particulier où on n'y aurait pas pensé il y a quelques années, où le vautour fait partie du décor de l'activité, et à la limite on est même déçu si on ne le voit pas. En escalade, pour un moniteur, être capable à un moment de montrer un vautour fauve qui plane dans son dos, c'est quand même génial. Les parapentistes aussi apprécient beaucoup la présence du vautour, qui en plus de dégayer, on va dire, le vol, va les aider à trouver l'ascendance, puisqu'ils volent complètement avec les vautours pour avancer. Il faut édicter une charte de bonne conduite qui fasse en sorte que l'homme puisse effectivement profiter du territoire pour ses activités de loisirs, mais il doit impérativement le faire en respectant les cycles de la nature, la biologie et en respectant tout simplement la vie animale. Le défi qui nous incombe, c'est justement d'accompagner les collectivités qui sont sollicitées notamment pour des aménagements en faveur des sports de nature, sans nuire au développement et à la préservation de la biodiversité qui nous est vraiment remarquable. La biodiversité pour les sports de nature, c'est sûr que ça génère beaucoup de frustration chez les pratiquants, puisque ça limite, on va dire, le développement de la pratique, des pratiques. Mais toutefois, les pratiquants, ils sont aussi contents d'avoir un environnement de qualité et de pouvoir apercevoir des espèces pendant leur journée de pratique. Donc on est dans cette dualité-là. D'un côté, on fait avec et on est contraint. Puis de l'autre côté, on est content d'évoluer dans des environnements préservés, de qualité. Et on est les premiers à vouloir protéger ces environnements-là d'un certain nombre de menaces. Alors pour certaines espèces comme le vautour moine, le vautour percnoptère ou le gypaète barbu, on a développé un outil qui s'appelle les ZSM, les zones de sensibilité majeure. Et donc cet outil nous permet, dans les phases de concertation, de faire des préconisations auprès des partenaires qui nous sollicitent, ce qui permet de préserver le couple pendant la reproduction. Donc la LPO, par sa connaissance extrêmement fine et surtout historique des populations de vautours, est vraiment notre interlocuteur au quotidien sur les questions de cohérence, de compatibilité entre la création ou la pratique de sites sportifs et la préservation des populations de vautours. Alors un exemple bien connu sur le territoire, c'est la Via Ferrata du Bofi, qui n'a pu être créée, réalisée et utilisée donc depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, que parce que les différents acteurs de ce territoire et les pratiquants ont accepté la fermeture de cette Via Ferrata pour permettre la reproduction du crave à bec rouge. Une activité toute seule aura un impact modéré, mais la répétition de plusieurs activités successives au même endroit ou à la même période vont multiplier les impacts. Et là, c'est vraiment cette partie-là qu'on doit pouvoir expliquer aux acteurs. Par exemple, un couple de vautours moines s'est installé près du décollage de parapente de Millau. Donc, ils se sont installés en plein hiver, ils construisent le nid, ils ont pondu. Et la répétition des passages de parapente au printemps a fait que le couple a abandonné l'œuf et le nid. Aujourd'hui, on a tendance à avoir deux mondes, la protection de l'environnement et les sportifs qui se connaissent, mais se connaissent mal et travaillent finalement peu ensemble. On met en place des mesures de protection qui font que séparer ces gens et les opposer. Peut-être que la perspective plus réjouissante, c'est de travailler ensemble, vraiment main dans la main, sur par exemple des programmes de sciences participatives qui permettent aux sportifs de devenir acteurs de la protection de l'environnement. Nous, les acteurs de la conservation, de la protection de la nature, on devrait pratiquer des activités encadrées par les organisations de pleine nature pour comprendre les enjeux qui sont les leurs.